Salut les District Cruisers, aujourd'hui une nouvelle journée en mer, on est le samedi 14 mars 2020, on est au restaurant Cabanas, alors qu'il y a mis en place des nouvelles mesures, il n'y a que la moitié du restaurant qui est ouverte, on ne peut plus servir nous-mêmes, il y a quelqu'un à chaque poste qui nous sert, pareil pour les boissons, c'est un petit peu différent, ça fait bizarre hein, pour dire la vérité, tout ça c'est bien sûr pour le Covid-19 hein, qui est partout en ce moment, partout dans le monde. Nous sommes le dernier bateau à être encore en croisière, toute Disney Cruise Line a arrêté en fait ses croisières jusqu'à la fin mars au moins et a aussi annulé une partie de sa saison en Alaska car le Canada refuse que les bateaux accostent jusqu'au moins au mois de juillet. Donc ambiance particulière mais on va quand même essayer d'en profiter un maximum. Allez, à plus tard. Cet après-midi, je vais tester deux nouvelles choses. On va commencer par une dégustation de mojito. Jamais fait, c'est l'occasion. Four later on. First, after you made it some cocktails, number one. Vodka, ananas. So, for this one, de la ginger beer, most of you is very famous drink. Bon, et bien en fait c'était super sympa, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi bien proposé. On nous a parlé de l'histoire des boissons avec plein d'anecdotes sympas. C'est très bon aussi, moi j'ai juste pris un petit peu de chaque verre parce que sinon je m'en serais pas sorti. Une mention spéciale pour le mojito brésilien qui était vraiment super. Pour la deuxième expérience, je vais me faire maquiller en pirate à la Bibbidi Bobbidi boutique qui, les jours de la soirée pirate, se transforme en Pirates League. Donc c'est une première pour moi parce qu'il n'y a que ce jour-là que les adultes peuvent y aller. La suite dans quelques instants. Bon bah voilà les Disney Cruisers, pour 49,95$, voilà ce que vous avez le bandana, le patch pour l'œil, la boucle d'oreille, vous avez le médaillon, vous avez également, j'appelle ça l'écharpe de Nice, mais en fait c'est l'écharpe des pirates, l'épée, et bien sûr le maquillage, et je trouve ça vraiment, je trouve que c'est un prix très raisonnable en fait pour le service rendu. C'est vraiment un super moment et je vous le conseille fortement.
warriors now. Exceptional
training facility designed to train the next generation of heroes. Today you are those heroes. Now allow me to introduce myself. You see, the training academy, some people to find their superheroes, some to know it. Rhino, not so angry. How you doing, JJ? Not bad. You're a menace. Nice. Whoa, look at all of you. I'm the Vulture. Nice. Now, the package up. The Vulture was one of Spider-Man's very first adversaries, and he was tough, because he could fly really high using his mechanical wings. Like that, good job with the chicken. And soon, Spider-Man found himself being flown all over the city. Before I go, I want you to take away some of the lessons I've learned in life. Most of all, I want you to remember, with great power, there must also come great responsibility. Okay. Thank you. All right, let's give up this line, man. Of course. I better get going. I'm sure someone's up to no good out there. Okay. Catch you later, Webheads. Catch you later, Webheads.